Bonjour tout le monde, présentation de la trottinette de la société Navi, le N65. C'est un produit qui m'est envoyé par le site Cafago pour un test vidéo. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. On y trouve la notice d'utilisation avec le français. Elle pèse 23,5 kg, la capacité maximale 120 kg, la vitesse maximale c'est 25 km/h, l'autonomie à pleine puissance ira de 30 jusqu'à 65 km, la pente maximale 25%. Les pneus, on est sur 10 pouces, il y a des amortisseurs avant et arrière. Elle est IPX4, la puissance moteur 500 watts, c'est un moteur brushless. La capacité de la batterie 48 volts, 12,5 ampères-heure, c'est-à-dire que c'est une batterie de grande capacité. Et le temps de charge, entre 7 à 8 heures. Au niveau du freinage, c'est un frein disque sur la roue arrière et un frein électromagnétique sur la roue avant. Distance de freinage inférieure à 5 mètres, à 20 km/h. Il y a un système de récupération d'énergie cinétique. Lorsqu'on va freiner, ça va recharger un petit peu la batterie. Des clés de montage, un chargeur. On est sur du 55 volts, 2 ampères, c'est-à-dire à peu près 110 watts au maximum. Et la trottinette électrique. Vous tirez la petite languette, comme ça on peut lever le guidon, et là on verrouille. Vous appuyez sur le bouton, vous ramenez à ce niveau-là, et là on peut tourner le guidon. Vous avez une petite marque ici, d'ajustement, et après il suffit simplement de resserrer. Elle est prête à être utilisée. Avant la première utilisation, vous devez impérativement charger la batterie. Il faudra simplement venir connecter le chargeur à ce niveau-là. Là, on est plusieurs semaines, même plusieurs mois plus tard. Vous voyez la trottinette. Au niveau du guidon, on est à peu près sur 51 cm. Les poignées, on est sur du 11 cm. Les poignées sont bien. J'ai rien ressenti au niveau des mains. Là, c'est l'élément quand la trottinette, elle est verrouillée. Le frein arrière, le klaxon qui est tout de suite à côté. Le panneau de contrôle qu'on verra tout à l'heure. Ici, par exemple, on a de l'espace pour ajouter des choses. Là, j'ai rajouté un petit support pour téléphone portable. L'accélérateur, le bouton pour allumer et le bouton de sélection. Là, pour plier la trottinette, il suffit d'appuyer et vous déverrouillez. On la positionne comme ça. Donc là, on appuie, on déverrouille. Et là, comme ça, elle descend. Et là, vous avez le petit élément de blocage qui va venir ici. Donc chose qui est bien par rapport à la place que ça prend, c'est que les poignées sont tout le long de la trottinette. Elles sont pas comme ça. La partie avant, vous avez une petite lumière avec un réflecteur. Vous pouvez ajuster la hauteur de la lumière. L'élément de maintien avec une excellente stabilité. Là, vous voyez la structure avant. Le port de charge. Largeur, on est à peu près sur 17 cm. Et la longueur, on est à peu près sur 50 cm. Jusqu'à ce niveau-là. Là, c'est du métal ici. Avec un feu arrière, on a un frein disque sur la partie arrière, un frein électromagnétique sur la partie avant. Concernant le gonflage, on accède facilement à la valve, que ce soit sur la partie arrière, mais également sur la partie avant. Ce sont de gros pneus, vous voyez, ils sont bien larges. On est sur 10 pouces, on est pratiquement sur 8 cm de large. Vous avez un bouton pour allumer, il faut maintenir avec la vitesse actuelle. Le niveau de batterie sur 5 niveaux, le kilométrage total, 59 km, la tension de la batterie, 47,7 volts, le numéro de la vitesse, là actuellement je suis en première vitesse, c'est-à-dire qu'elle ira jusqu'à 15 km/h. Si vous appuyez ici, vous changez de vitesse. Deuxième vitesse, jusqu'à 20 km/h. Troisième vitesse, jusqu'à 25 km/h. En mode piéton, avec la lumière qui s'est activée. Le mode piéton étant limité à 6 km/h. Ici pour activer ou désactiver la lumière. Et ici, si vous appuyez deux fois rapidement, vous alternez entre le kilométrage total et le kilométrage depuis que vous avez allumé la trottinette. Et vous avez le niveau d'accélération sur 5 niveaux et de freinage sur 5 niveaux. Au niveau de l'application CNavi, avec la vitesse, le niveau de batterie sur 10 niveaux, kilométrage actuel, total, la vitesse, si vous voulez changer de vitesse, pour verrouiller la trottinette, là des informations supplémentaires, avec la langue, l'unité, si vous voulez activer, désactiver le régulateur de vitesse, la récupération d'énergie cinétique, et lorsqu'on freine, elle va se recharger un petit peu, l'autodétection des pannes, avec un petit système d'analyse, a priori tout est OK, des informations sur le véhicule, avec différentes informations. Au niveau de l'application, ce qui manquerait, c'est la possibilité de modifier les vitesses.
Vous retrouverez toutes les informations de cette trottinette et toutes celles que j'ai testées sur bricoscore.com, rubrique trottinette. Puissance nominale 350 watts, maximale 500 watts. Le temps de charge est d'environ 8 heures, en sachant qu'en 6 heures, elle est chargée à 95%. Concernant l'autonomie, je fais le parcours habituel de 3,2 km que je fais avec toutes les trottinettes. J'étais en mode 3, 25 km/h, j'ai accéléré en permanence, je pèse 88 kg. Au total, j'ai fait 36,43 km avec une vitesse constante durant tout le test. On a une bonne performance dans les montées. Au niveau de l'écran, on a une luminosité correcte. C'est pas fou, mais en tout cas, même s'il y a du soleil, on voit les données. Vous voyez là, 25 km/h. Il peut y avoir des trottinettes où on ne voit pas du tout les données. Là, en tout cas, c'est visible. Ce qui pourrait manquer, c'est que quand le mode croisière s'active, ça fait pas de petits bips. Ça aurait été bien un petit bip pour nous prévenir. Également, la trottinette, elle tourne quand même pas mal à droite et à gauche. Regardez, je vais faire un demi-tour avec la trottinette. Vous voyez. La trottinette, elle est vraiment très plaisante. Hein. Que ce soit au niveau de la conduite, on a vraiment une excellente stabilité. Au niveau des vibrations également. Et sur des gros pneus gonflables, c'est vraiment plaisant. La petite montée. On est tombé à 20. L'accélération, elle est vraiment très bonne également. Principalement en vitesse numéro 3. Démarrage à 0, vitesse 3. C'est parti. 10, 15, 20, 25. Démarrage à 0, vitesse 2. C'est parti. 10, 15, 20. Démarrage à 0, vitesse 1. C'est parti. 10. 15. Là, il y a une petite montée, on va voir ce que ça va donner. C'est parti. J'ai même dû lâcher un petit peu l'accélérateur. Vous voyez, pas de problème. Donc là, ça monte pas mal quand même. On va voir si ça passe. Ouais. Vous voyez, ça fait une belle montée là quand même. Hein. Actuellement, je suis à 16. En plus, il y a des cailloux. Là, je suis à 13. Allez, là ça fait une montée. Allez, là ça fait une belle montée quand même. Hein. Là je suis à 19. Regardez là, je suis à 48,4. Ça va faire une descente, je vais freiner et normalement ça va augmenter le voltage. Donc là 48,4, 48,6, 48,8. Vous voyez, quand on freine, en fait, ça recharge un petit peu la batterie.
Là, je suis à 48,8. On va continuer. Vous voyez, ça fait une descente. Et pendant la descente, je recharge un petit peu. 48,9. Et là maintenant je suis à 49,1. Vous voyez, quand on freine, on recharge un petit peu. Vous voyez, là c'est de l'herbe humide. Là je suis à 20 km heure. Vous voyez, bonne stabilité. Par contre, tout ce qui est trottoir, faut descendre immédiatement parce qu'on est quand même assez bas. Vous voyez, là je cogne. Pareil, si vous êtes amené à monter des trottoirs, faites très attention parce qu'on pourrait cogner. Vous voyez, là je cogne sur la partie basse. Bon, là c'est un trottoir un petit peu haut, mais il faut vraiment faire très attention. Vous voyez, là c'est un trottoir très très bas. On va essayer. Ça passe. Vélo. Merci. On va faire un freinage d'urgence. Alors, il faut vraiment faire très attention parce que le freinage, il est vraiment très performant. Je vais faire un freinage d'urgence. J'ai commencé à freiner en passant là et je suis là, à peu près 5 pas. Vraiment, cette trottinette, elle a vraiment un freinage excellent. À 25 km heure, on a vraiment un excellent freinage. J'étais sur 5 pas. Prenez soin de votre trottinette, évitez par exemple de rouler dans de la boue ou des choses comme ça. Donc là vous voyez l'éclairage au niveau de la brie, on est sur 15 mètres. Vous voyez, on peut baisser. Avec la lumière arrière qui clignote lentement, et quand on freine, elle clignote plus rapidement. Voilà pour la petite présentation de la trottinette de Naville N65. C'est une trottinette que je trouve vraiment excellente et c'est ma préférée à ce jour. Au niveau d'avantage, on a une très bonne performance, 500 watts. Elle est vendue déjà montée. Le freinage, il est excellent. Le klaxon, il est correct. Il est également très bien placé. On a une bonne lumière qui est ajustable. L'écran qui reste visible en extérieur, même si j'aurais préféré un peu plus de luminosité, en tout cas, il reste visible. Elle se plie très rapidement et en plus, on peut plier le guidon. La stabilité de la structure, elle est excellente, que ce soit ici ou sur la partie basse. On a des grands pneus larges gonflables,
ce qui donne une très bonne sensation sur la route. La partie câble qui ne dépasse pas. Bonne surface au niveau du plateau. Lorsqu'on freine, ça recharge un petit peu les batteries. On est sur une batterie de 48 volts, 12,5 ampères-heure. C'est une batterie de grande capacité. Au niveau des points négatifs, dans l'application, on ne peut pas modifier les vitesses. Il n'y a pas de démarrage à zéro. Lorsqu'il passe en mode de croisière, j'aurais bien aimé un petit avertissement et la batterie qui n'est pas amovible. En tout cas, c'est une trottinette que je trouve vraiment excellente et c'est ma trottinette préférée à ce jour. Donc si elle vous intéresse, je vous mets tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.